Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir dans Illustrator comment faire des espaces négatifs en utilisant le panneau transparence. Nous allons réaliser ce logo. Bien, je vais partir avec un document de type A4 dans Fichier Nouveau. Vous le trouverez dans Impression. Si vous le choisissez dans Impression, ici en mode colorimétrique dans les options avancées, vous allez choisir du RVB. Ne vous souciez pas de cette petite alerte, c'est tout à fait normal. Je vais garder l'orientation portrait et je vais cliquer sur Créer. Je vais commencer par créer le loup. Alors, j'ai préparé un fichier, je vous ai mis les liens de l'image et des polices qu'on va utiliser dans la description. Donc je vais importer l'image du loup qui est celle-ci. Je vais faire un cliquer-glisser et je vais tout de suite dans le panneau calque. Alors vous allez l'ouvrir et s'il n'est pas dans votre interface, bien sûr, vous pouvez utiliser le raccourci F7 pour l'ouvrir. Et je vais double-cliquer à droite du mot calque 1 pour ouvrir les options de calque et choisir ici modèle. Bien sûr, je vais devoir créer un autre calque. Donc je clique sur le petit plus à côté de la poubelle, sur l'icône Nouveau calque. Et je vais commencer par faire les contours de ce loup à la plume. Donc je prends l'outil plume, raccourci P. Vous pouvez choisir une couleur pour le fond si vous voulez. Et vous allez utiliser le raccourci CTRL Y sur PC ou commande Y sur Mac pour vous mettre en mode contour. Donc ici, vous voyez, dans l'onglet, on passe en mode contour, ce qui va nous permettre de ne pas être gêné par le fond, justement, de notre plume, qui ne manquera pas d'arriver puisque j'ai choisi d'en mettre un. Donc je vais ici zoomer un petit peu et commencer à détourer ici le loup. Alors, si vous ne savez pas utiliser la plume, je vous conseille de regarder, bien sûr, les vidéos qui traitent du sujet. Vous pourrez ensuite faire ici des petits pics si vous voulez figurer l'extrémité des poils. Et bien sûr, je vais passer en accéléré pour que ce ne soit pas trop long le détourage. La forme du loup est maintenant terminée. Je peux voir ce que ça donne en utilisant à nouveau le raccourci CTRL Y ou commande Y. Voilà ce que ça donne. Et je vais maintenant faire les trous pour les yeux et ici la bouche. Donc je me remets en mode contour avec CTRL Y ou commande Y. Très bien, j'ai maintenant mes formes de réaliser. Je vais sélectionner l'ensemble de celles-ci sur le calque 2. Donc je vais cliquer ici, vous voyez, à droite du rond, ce qui me permet de sélectionner tout ce qu'il y a sur le calque. Je vais aller chercher ici l'outil concepteur de forme, majuscule plus M, si vous voulez le raccourci. D'accord ? Et je vais appuyer sur la touche Alt. J'ai un petit moins à côté de mon curseur. Et vous voyez, si je clique sur l'œil, hop, je peux faire un trou. Et je vais aussi faire un trou ici au niveau de la mâchoire, au niveau des babines. Voilà, comme cela. Alors, je vais zoomer pour voir s'il n'y a pas un petit morceau qui reste. Si, ici, donc j'appuie toujours sur Alt et je clique sur le petit bout qui reste. Voilà, donc maintenant j'ai fait un trou. On peut tout désélectionner et voir ce que ça donne. D'accord, je peux mettre la forme en noir pour qu'on puisse mieux la voir. Voilà, je peux cacher maintenant le calque modèle, je n'en ai plus besoin. Donc voilà la forme qui va me servir pour faire mon trou dans les lettres. Donc je vais positionner mon loup par ici, je peux le réduire, hop, appuyer sur majuscule pour faire une transformation qui respecte le rapport largeur sur hauteur. Je vais ensuite prendre l'outil texte et je vais taper loup. Donc je fais un simple clic et je tape ensuite loup. Alors je vais tout mettre en majuscule, ce sera un petit peu mieux. Je vais agrandir le mot et aller choisir la police que j'ai défini pour cet exercice. Alors je vais aller choisir ici, alors dans le menu fenêtre, je peux aller chercher le panneau caractère, dans texte caractère ici, d'accord. Et la police que j'ai choisie, c'est Work 100 en black. Alors, comme je vous disais, vous avez le lien des polices si vous souhaitez utiliser les mêmes que moi dans la description de la vidéo.
Ok, je vais tout de suite, eh bien pourquoi pas faire une copie. On ne sait jamais si je me suis trompé, si je veux revenir en arrière. Voilà, j'aurai déjà cette étape de prête. Ok, et je vais travailler sur l'original ici. Je vais faire un clic droit et choisir de vectoriser la police. Donc maintenant, je ne peux plus revenir en arrière, hein, c'est pour ça que j'ai fait une copie, on ne sait jamais. Je vais ensuite me débarrasser de la forme dans le centre du haut, ici. Donc ici, nous sommes en présence d'un tracé transparent. Hein, vous pouvez aller le voir dans le panneau calque ici, dans le groupe, hein, puisque lorsqu'on a vectorisé, on se retrouve avec un groupe contenant les lettres. Et vous voyez, ce sont que des tracés transparents. Donc je vais sélectionner le haut en cliquant ici à droite du rond au niveau du haut ici. Voilà, pour sélectionner que celui-ci, je vais ensuite aller dans le menu Objet, Tracé transparent, et je vais annuler le tracé transparent. Du coup, je me retrouve avec deux formes. D'accord? Donc la forme que je souhaite supprimer, ben, c'est la forme qui servait à percer le rond, qui est ici. C'est celle-ci, vous voyez, dans le panneau calque. Donc je clique à nouveau à droite du rond pour la sélectionner, et j'appuie sur Supprime pour la supprimer. Donc on va voir ce que ça donne si je fais une copie de ce loup, que je le place en blanc. Voilà, alors il faut bien que je fasse attention à ce que le loup blanc soit, hop, je vais le déplacer hein, dans l'ordre des calques ici, je vais le mettre dans le groupe de mes lettres hein, et au-dessus du rond ici, au-dessus de tracé. Voilà. Ensuite, je peux jouer avec les échelles pour voir comment cela pourra donner une fois que j'aurai vraiment percé cette lettre. Alors je vais essayer d'aligner le tout avec la base du L ici, comme ceci, et le tourner peut-être un peu. Voilà, donc essayez de trouver l'arrangement qui vous plaît. Le but ici étant voilà, de percer cet ancien O avec le profil du loup pour qu'on ait un espace négatif de ce type. D'accord? Donc là pour l'instant c'est que des tests, hein. On n'a pas réellement percé la forme. Hein. Si je mets un fond derrière, on verra bien que le loup est blanc. Mais pour l'instant je fais des tests. Je vais ensuite écrire sauvage. Donc je prends l'outil texte, je clique une fois. Je vais écrire sauvage comme cela. Avec comme police, alors j'agrandis un peu. Je vais choisir donc toujours dans le menu fenêtre texte caractère la police. Qui est celle-ci, je ne sais pas comment ça se prononce, ça, cavite. D'accord, on va choisir peut-être du régular, comme ceci. Voilà, donc je vais l'agrandir. Et là, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un espèce de contour autour des lettres qui perce le mot loup. D'accord, donc on peut le simuler, hein, c'est comme pour le loup, là, avec un contour sur nos lettres. Donc je vais aller ici dans la barre de contrôle, choisir une couleur. Alors cette barre de contrôle, elle n'est pas toujours là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans le menu fenêtre et choisir contrôle ici, de cliquer donc sur contrôle. Moi, je trouve que c'est assez pratique de l'avoir. Et je vais choisir du blanc ici. Je peux ensuite augmenter la valeur du contour toujours dans la barre de contrôle ici. Voilà. Pour voilà, constater que c'est à peu près le résultat que je souhaite. Vous voyez, le S ici va percer. Si je monte un peu plus, voilà, ça pourrait donner ce résultat. D'accord? Donc une fois qu'on a fait nos placements, qu'on est satisfait, donc peut-être que vous allez passer plus de temps pour arranger tout ça, pour faire quelque chose d'un peu plus harmonieux, etc. Eh bien, vous pouvez sélectionner le tout et puis le dupliquer. Donc, vous appuyez sur Alt, hop, et vous faites une copie. Alors, peut-être qu'au niveau de l'arrangement, ça serait bien de mettre tout ça dans un calque. D'accord? Donc, je vais cliquer sur le petit plus ici, hop, pour faire un nouveau calque que j'appellerai logo définitif. D'accord? Et tout ce que j'ai fait ici, eh bien, je vais le placer dans ce calque. Alors, comment on fait ça? Rapidement, vous voyez, j'ai sélectionné tout mon logo, mon futur logo en tout cas, et il se trouve dans le calque 2. D'accord? Donc, au niveau du calque 2, ici, à droite du rond, vous avez un petit carré. Vous voyez, il est plus petit que les autres. Ça veut dire que dans ce calque, eh bien, il y a des objets qui sont sélectionnés, mais pas tous. Et ce que je peux faire, c'est déplacer ce petit carré, hop, à droite du rond, ici, de mon nouveau calque. Et dans ce cas, vous voyez, j'ai déplacé tous les éléments qui étaient sélectionnés. Donc je peux cacher, voilà, hop, les autres, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc on va travailler essentiellement avec le panneau transparence. Comme ça, vous allez bien comprendre, j'espère, comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc ça peut servir d'exercice. C'est cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas vue. Et comment on va faire pour percer nos éléments? Eh bien, on va déjà s'attaquer au haut, ici. D'accord? Donc je vais ouvrir mon calque et le haut est ici. Ok? Je vais avoir besoin
pour percer le haut? Eh bien, de la forme de mon loup. Alors, on a plusieurs façons de le percer. Là, je vais vous montrer avec le panneau transparence, mais on pourrait aussi le faire, comme j'ai fait pour les yeux, avec l'outil concepteur de forme. D'accord? Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le panneau transparence. Donc, je sélectionne uniquement le loup. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas renommé mes éléments. C'est hyper important de les renommer pour pouvoir facilement les retrouver. Donc ici, mon loup est là, d'accord? Donc, je clique à droite du petit rond pour le sélectionner depuis le panneau calque. Et je vais le couper. Donc, CTRL-X sur PC ou CMD-X sur Mac, je l'ai coupé. Et je vais sélectionner le haut, ok? Je vais ensuite aller chercher le panneau transparence dans le menu fenêtre, transparence. Et là, je vais cliquer sur créer un masque. Ok. Je vais choisir de ne pas écréter, d'accord? Et je vais bien cliquer dans le masque, c'est-à-dire le carré que vous avez à droite. Et je vais coller le loup. Alors attention, pour garder sa position, vous pouvez le coller devant. Le raccourci CTRL plus F sur PC ou CMD plus F sur Mac. Ok, le voilà. Alors ça n'a rien percé du tout, hein, puisque, rappelez-vous, quand on l'a coupé, il était blanc. Et ici, nous sommes en présence eh bien, d'un masque de fusion. Ça fonctionne exactement comme dans Photoshop. Si on veut masquer, il faut que la forme soit noire. Alors je vais aller choisir dans la barre ici de contrôle du noir. Alors bien vérifier, parce que là, ce n'est pas le cas qu'on a vraiment du noir. Alors je vais double-cliquer ici, ok, sur le gros carré de la couleur de fond. Et choisir ici un noir vraiment noir, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en RVB à 0 partout, hop, comme ceci. Et dans ce cas, je vais vraiment percer ma forme. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, là, ça perce vraiment, hein, et c'est totalement non destructif, c'est-à-dire que je vais pouvoir repositionner mon élément où je veux, si je me suis trompé ou si je ne suis pas satisfait du résultat. D'accord? Alors n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut absolument cliquer à nouveau sur la vignette de votre forme qui est masquée, car sinon vous ne verrez dans le panneau calque que les calques du masque. En effet, Illustrator a la particularité de pouvoir avoir plusieurs calques pour un masque. Je pourrais dessiner d'autres formes ici et créer d'autres découpes sur mon haut. Ok, donc je vais cliquer ici sur la vignette du haut, hop, pour retrouver l'intégralité de mon panneau calque. Et je vais m'intéresser maintenant à la découpe des lettres ici avec le mot sauvage. Alors je vais sélectionner ce mot, je vais à nouveau le vectoriser, mais avant je vais ôter le contour, d'accord? Donc ici je mets 100, très bien, et je vais faire un clic droit et choisir de vectoriser mon mot, très bien. Donc voilà, il est ici, que je pourrais peut-être renommer sauvage, comme cela. Et je vais dans le menu Objet, Tracer et choisir Décalage. Lorsque je fais ça, je vais pouvoir faire un autre objet avec un décalage sur ce mot. Je vais choisir ici un décalage positif de 1 mm. Vous pouvez cocher l'aperçu pour voir ce que cela donne. Alors 1 mm, ça va vraiment dépendre de la taille de l'ensemble que vous avez créé avant et aussi de votre unité de mesure. Donc ici, moi, je choisis 1 mm. Vous voyez, c'est déjà pas mal épais et vous pourrez ajuster comme vous voulez. Je valide avec OK. Et là, vous allez pouvoir constater qu'on se retrouve avec, vous voyez, tout ce qui est sélectionné, en fait, eh bien, c'est le nouveau mot qui a subi le décalage qui est créé. Alors ça nous fait un petit peu beaucoup d'objets ici. Je vais tous les assembler en faisant appel au Pathfinder. Je vais aller dans le menu fenêtre, je vais choisir ici Pathfinder qui est ici. Et je vais cliquer sur cette icône-là pour assembler, voilà, ce mot. J'aurais pu le grouper aussi, mais bon, ça m'a permis, voilà, vous voyez, d'avoir un petit peu moins d'objets. Je vais maintenant vérifier que ce groupe est bien sélectionné, hein, le groupe des mots épais du mot sauvage ici. Et je vais couper ce mot, édition coupée, d'accord, car il va me servir de masque pour les lettres ici, O et P, qui se trouvent dans le groupe ici, celui-ci, d'accord. Alors je sélectionne bien l'ensemble du groupe et je vais, dans le panneau transparence, créer un masque, exactement comme tout à l'heure pour le loup. Alors voyez, quand le masque est tout noir, forcément, on ne voit plus rien, donc il faut décocher écréter et bien sélectionner le masque, pour ensuite utiliser le même raccourci qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire CTRL-F ou CMD-F, afin d'appliquer, voyez, cet objet noir dans le masque, ce qui me permet de percer ce groupe. Et voilà le résultat. Nous avons maintenant percé, avec le panneau transparence, eh bien, le mot loup. Alors, on peut constater maintenant qu'on a vraiment de la transparence
en plaçant un rectangle de couleur en dessous. Alors faites attention, là, je suis en train de faire une grosse bêtise parce que là je m'aperçois que je suis dans le masque. Alors ça c'est toujours quelque chose qu'il faut bien vérifier. Je retourne dans le panneau de transparence. Vous voyez, ici j'étais encore dans le masque. Donc si je fais une forme noire forcément, eh bien j'ajoute cette forme dans le masque. Donc bien pensez à recliquer sur la vignette ici de votre mot masqué. Et ensuite vous allez pouvoir créer cette forme pour constater que vous avez vraiment de la transparence. Lorsque vous aurez bien sûr positionné cet objet en dessous, c'est-à-dire sous mes groupes, attention, et non pas dans les groupes, donc en dessous des groupes ici, tac, voilà. Et là, on peut voir que nous avons percé la lettre O ici avec une forme grâce au panneau transparence, et on a aussi percé les lettres O et P avec une forme qui est partie à la base du mot sauvage. Et le tout, bien sûr, dans le panneau transparence. Donc après, je vous conseille de grouper l'ensemble, donc c'est-à-dire ces deux groupes, hein, vous les sélectionnez, vous faites CTRL-G ou CMD-G pour tout grouper, et vous pouvez l'appeler logo loup, afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à manipuler. Voilà, comme ceci. Eh bien, ça, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez en faire ce que vous voulez, et c'est tout à fait non destructible, à part le fait que vous devez refaire les lettres si vous vous êtes trompé dans le mot ou si vous décidez de changer de mot. Voilà. Donc voilà, ce tuto nous a fait travailler un petit peu le panneau transparence et nous a permis de réaliser un logo avec des espaces négatifs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.